Hey, salut à tous, c'est HTMOZA comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que c'était ma première nucléaire. Je l'ai faite il y a un petit moment déjà à date d'environ 2 semaines, donc à savoir qu'aujourd'hui on est le 4 décembre déjà. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo et la vidéo date du 17 novembre. Donc en fait, je vais vous expliquer parce que cette vidéo n'est pas seulement ma première nucléaire sur le jeu final, c'est aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, que à la date où je l'avais faite, j'étais le premier joueur à avoir fait la nucléaire. Faut que je me réhabitue à nucléaire, DNA. La première nucléaire, donc la première médaille nucléaire débloquée sans atout. Je l'avais débloquée sans atout, j'avais aucun atout sur mon personnage. D'ailleurs, vous avez pu le voir, ou je vais vous le remettre quelque part sur l'écran. Quand on a démarré la game, on n'avait pas d'atout. J'étais en train de monter ma Weevil en or pour avoir mes mitraillettes en diamant que j'ai obtenu depuis normal. Mais du coup, là d'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a joué même pas une minute de la première manche. On est en train de perdre. On a joué même pas une minute entière de la première manche. On est arrivé en cours de game avec des abonnés, donc on était vraiment pas du tout prêt, on savait pas ce qu'il y avait en face. Bref, vous allez voir ce qui va se passer. Et j'en étais où? Donc ouais, depuis j'ai monté mes mitraillettes en diamant. Et du coup, je faisais le défi de jouer avec full accessoires sur son arme, du viseur laser, enfin 5 accessoires sur son arme en comptant le viseur laser. Donc j'avais pas la place de mettre un atout, pas la place de rien mettre du tout. Tous ceux qui montent leurs armes en or le savent. Et du coup, je jouais avec cette classe, la Weevil, que je monte en or, sans accessoires, sans rien. Enfin si, j'avais 5 accessoires justement, mais aucun atout. Et vous allez voir que faire une nucléaire sur ce jeu, croyez-moi, c'est pas si simple qu'il faut le croire. On est au début du jeu, c'est pas facile. Et d'en plus, jouer sans fantôme, sans filtre anti-flash, qui est quasiment indispensable sur ce jeu, tellement les flashs sont abusés. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça mérite quand même un GG à faire une grosse nucléaire comme celle-ci. En plus, en montant mon spécialiste, c'est pas un spécialiste mortel, parce que les spécialistes mortels comptent dans la série. Moi, c'était juste le petit bouclier cinétique, là, je sais plus comment tu l'appelles. Je le montais aussi au niveau max. Depuis aussi, j'ai monté tous mes spécialistes niveau max, mais enfin, bref, j'y avais rien du tout pour m'avantager dans cette game. Voilà, donc très grosse nucléaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait maintenant 2 semaines que je vais la publier et je vais essayer aussi de la partager sur la chaîne de Code QG. Donc si vous la voyez de Code QG, les gars, cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne aussi. Allez dans la description. De cette vidéo. Donc allez la voir, les gars, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci à tous ceux qui vont jeter un petit coup d'œil. On est bientôt plus de 3000 et bientôt plus de 6000 sur Twitch. Donc merci à vous tous, les gars. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Là, vous pouvez voir que j'étais en train de lancer mes clistriques en me disant ouais, bon, j'ai ramassé une arme. Il me reste combien de balles? Je mange pas beaucoup, hein, qu'est-ce que je fais? Et vraiment, c'était très, très compliqué. Je me suis mis au top et ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance dans cette game. Arriver en cours de game, franchement, c'est ce qui peut arriver de plus beau. T'arrives en cours de game, tu joues une manche, donc tu joues pas longtemps, donc ta nucléaire, tu la rush. J'ai pas regardé le temps que je l'ai mis pour la faire, mais j'ai vraiment, vraiment rushé pour l'avoir. Je suis tout le temps vers leur spawn, tout le temps les slay. Je me planque pas vraiment, je joue vraiment le duel. Je me dis, c'est bon, la nucléaire, elle est pour moi, je vais l'avoir, enfin même pas. Vous allez voir qu'après, juste après la vidéo, je vais vous laisser le passage de quand je vais débloquer ma nucléaire. J'étais super étonné, j'étais genre, wesh, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Les viewers, pareil, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? T'as la nucléaire? Quoi? T'as la nucléaire? Ah, d'accord, je savais pas. J'ai vraiment été assez agréablement surpris en débloquant. Et là, vous pouvez voir que j'arrête pas de rusher, je dois être à quelques kills de la nucléaire. J'ai beaucoup dit de fois nucléaire dans cette phrase, hein. En tout cas, on va débloquer très prochainement, je vous laisse apprécier le gameplay. Quelques secondes, la nucléaire.
levier débloqué. La nucléaire. What? Quand tu débloques tes premières nucléaires, c'est toujours impressionnant et sur ce jeu, ça l'est tout autant. Surtout que moi, à la base, je ne suis pas vraiment du tout un joueur Black Ops. C'était mes premières games, mes premiers jours de jeu. J'ai monté mes défis et j'étais heureux de faire cette magnifique nucléaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi le nombre de nucléaires que vous avez fait, vous. Et sans atouts, sans accessoires, c'est quand même pas facile du tout. En ramassant en plus une arme random qui était la Manoa. Si je dis pas de bêtises, c'était la Manoa. Et à l'époque, maintenant je t'ai mon arme, évidemment. Mais à l'époque, quand t'as pas l'habitude de prendre une. Enfin, à chaque fois, même ceux qui montent leurs armes à l'heure actuelle en or, vous jouez avec une arme que vous avez jamais joué, que c'est la première fois que vous y jouez, vous dites what? Mais c'est quoi cette arme? Et j'y ai joué. Je l'ai kiffé, hein, clairement. La montée en or, ça a été facile après pour moi, même si elle a pas beaucoup de cadence de tir, cette arme. Vous avez vu que j'ai réussi à faire la nucléaire avec, et avec la Weevil et la Manoa, qui sont deux armes pas trop mal, et j'en suis vraiment très content. Je vais vous dire combien j'ai mis de temps pour faire cette nucléaire, mais j'ai vraiment pas beaucoup mis de temps. Grosse nucléaire. Je vais en mettre pas mal, je vais en proposer pas mal, les gars. Bientôt sur YouTube. Je vais mettre pas mal de nucléaire. Vous allez voir, je pense que ça va valoir le coup d'œil. C'était ma première nucléaire. C'est toujours comme ça, les premières sont toujours les plus difficiles à sortir. Mais quand tu fais ta première sans atout, sans accessoire, tu te dis toujours what? Qu'est-ce qui vient de se passer? De toute façon, les gars, je vais vous laisser l'extrait du passage du déblocage de la nucléaire. Vous me direz ce que vous en pensez, vraiment. On l'avait faite en plus de ça. Je l'ai pas précisé, hein. Je l'ai pas précisé, mais on l'avait faite en live. En live, les gars. Il y avait je sais pas combien de personnes, les gars. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Dites-moi, dans les coms, qui était là? Qui avait vu cette nucléaire en live? Qui s'y attendait que je la débloque? Personne. 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 La série, elle m'est tombée dessus. J'ai pas compris. J'ai pas touché. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce gameplay. Vraiment, moi je le trouve vraiment très très beau. C'est toujours l'un des. C'est toujours émouvant de faire cette première nucléaire. On va la proposer à CodeQG, les gars. Ce gameplay vaut le coup. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous avez fait, vous. On a fait beaucoup de 100 bombes, mais je vais vous proposer peut-être des 100 bombes au pont très prochainement. Mais celui-ci, je voulais absolument vous le montrer. En tout cas, les gars, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous. Une excellente soirée, une excellente journée. On se dit à très vite, à très bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao. Vroom, vroom. Je t'ai recommencé. Ta gueule. Oh, mais il est sérieux. J'ai fait ma nuque. J'ai fait ma nuque. What? J'ai fait ma nuque sans le vouloir. J'ai fait ma nuque. Bien joué. J'ai fait ma nuque. What? Je me suis même pas rendu compte. Bon bah nuque en live les gars. Aïe aïe aïe. Oh nuque en live avec la Manoa et en montant mon arme. Sans... J'ai même pas d'axe. J'ai même pas d'atout. J'ai fait ma nuque sans avec zéro atout. Et en ramassant une arme. What the fuck?